Bonjour mon cher Jean Lumière. C'est une joie pour tous ceux qui vous écoutent sans vous connaître de penser que grâce à votre premier film, ils pourront mettre un visage sur votre voix. Pouvez-vous me dire quelques mots sur cet événement et d'abord, quel est le titre de ce film ? Le chanteur de minuit. Parfait. Dans ce film, vous interprétez plusieurs chansons qui seront bientôt de gros succès. Voyons. La première, c'est une délicieuse chanson que vous chantez à votre logeuse pour la dédommager du tort que vous lui causez en ne la payant pas. Exactement. Que voulez-vous ? Je suis dans ce film un jeune professeur de chant pas très fortuné. Ah, je comprends cela. Si vous avez de riches notes dans la voix, elles ne vous permettent pas de payer celles des fournisseurs. Oui, oui, voilà. Et que chantez-vous à votre logeuse ? Le bateau de pêche. C'était un petit, tout petit voilier, un joli bateau de pêche. On l'avait bâti d'un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux, on l'avait mis à la mare. Il appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. La seconde chanson, je crois, vous la chantez au cours d'une séance de crochet. En effet, ma logeuse m'a fait inscrire, à mon insu, à l'un de ses concours. Ah, ce serait une mauvaise blague si vous n'aviez pas de talent. Mais heureusement, vous triomphez. Oui, oui. Enfin, dans le film, je réussis. Les croches de votre mélodie vous évitent le crochet. Et quel est le titre de cette chanson ? La chanson du cœur. Le succès que vous remportez au crochet vous vaut enfin des engagements, je crois. Oui, c'est ainsi qu'à la suite de circonstances trop longues à expliquer, je dois chanter à la radio sous le nom de chanteur de minuit. C'est cela. Et vous êtes, sans le vouloir, la cause du suicide d'une jeune fille, élève d'un pensionnat qui n'a pas résisté au charme de votre talent et qui a été mortellement atteinte par l'éclat de votre voix. Et dites-moi, quelle est cette chanson ? J'ai rêvé d'un pays. Chaque rivage, le flot serait bleu, où les soirs sembleraient lumineux. Et mon Dieu, comme tout finit par un mariage, et comme nous disons en France, par des chansons, c'est par une idylle et par une mélodie que se terminera ce film. Vous avez rêvé pour cacher votre bonheur et celui de votre fiancé d'une retraite dans un nid de verdure. Oui, et aussi d'une maison aux tuiles roses. Merci mon cher Jean Lumière de votre bon accueil. Merci de nous avoir donné cet aperçu d'une intrigue que je devine pleine de charme, de sentimentalité et de gaieté. Vous irez tous applaudir Le Chanteur de minuit avec Jean Lumière. Film qui va bientôt paraître sur cet écran. Les chansons que vous venez d'écouter sont enregistrées intégralement par Jean Lumière sur disque gramophone La Voix de son Maître.